Chambord arrive 35 ans après mes débuts. Mais je crois que ce qui m'intéressait à Chambord, c'était surtout de se confronter à un lieu très fort par lui-même, avec une histoire d'abord, avec une architecture très forte, vraiment très puissante. Bon, j'évoque comme ça rapidement l'escalier à double hélice, mais il n'y a pas seulement ça, il y a tout parle du passé, de l'histoire, donc ça m'intéressait de me confronter à l'histoire. Habituellement, je travaille dans des lieux qui n'ont aucune histoire. Ce sont des lieux sans qualité. Ce sont des entrepôts, des hangars, des trucs à moitié déconstruits ou abandonnés en tout cas. Ça m'intéressait à un moment donné de me retrouver dans un lieu historique et de voir comment je peux répondre à une nouvelle notion d'espace qui est donnée par l'histoire. On trouve cette charpente qui est puissante, qui est forte et moi je me suis dit mais bon qu'est-ce que je vais faire dans ce lieu? J'ai pas le droit de planter des clous, j'ai pas le droit de peindre, donc j'ai essayé de trouver des astuces en posant par exemple des chevrons juste appuyés à partir du moment où je sais que je peux pas toucher ni à la charpente ni au mur ni à rien. Donc je suis autonome, je crée une structure autonome et elle doit apparaître comme ça. C'est construit avec des lattes. Et donc j'ai essayé de faire des variations à la fois pour essayer de trouver la forme idéale, la couleur idéale, effectivement, en complète relation avec ce mouvement qui est donné par la charpente. Et pour moi, j'y vois un mouvement qui naît avec la charpente et qui enrobe la structure que j'ai construite. C'est quand même l'objet justement de ma première installation, c'est d'avoir une relation physique directe avec un espace qui par lui-même est très fort. La structure est peinte en jaune pour suggérer la lumière. Le soleil, c'est, bon, j'ai l'habitude de dire que photos, photographie, photos, en grec, c'est la lumière. La relation à la Renaissance, elle est dans l'inventivité. Il n'y a qu'à lire les carnets de Léonard pour voir. Que c'est pas simplement un mot, c'est faire renaître les choses.